Larry Fink, le nouveau pyromane des prix, il a un nouveau produit à proposer. Et ce nouveau produit-là, il s'appelle Bitcoin, l'or digital. Ce que tu sais sur les diamants, ben, c'est totalement faux. Il y a eu un documentaire qui est sorti en 2022, là, qui explique exactement comment ça se passe, en fait. De base, les diamants, c'était un truc qu'ils ont trouvé dans la terre et il n'y en avait pas beaucoup. Et ils se sont dit, la famille De Beers, c'est eux qui ont le plus de diamants sur terre. Ils se sont dit, ben voilà, nous on a ça, ça vaut rien. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ça vaille beaucoup? Donc ils ont créé tout un système de marketing en disant, ben voilà, l'amour est éternel. Si t'aimes vraiment ta femme, tu lui offres un diamant. Sauf que des diamants, il y en a des milliards dans les coffres forts de la Russie parce que c'est eux qui produisent le plus de diamants sur terre. Donc quand ils disent que c'est rare, ben c'est pas du tout rare, il y en a des milliards et en fait ça vaut rien du tout. On pourrait dire à peu près la même chose sur l'or. L'or, c'est ce que tes parents ils te disent depuis tout petit, investis sur l'or, ça fait que monter, etc. Mais tout ça c'est grâce à ce mec là, qui s'appelle Larry Fink, c'est celui qui gère BlackRock et c'est lui qui te fait croire depuis le début que l'or ça a beaucoup de valeur. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, Larry Fink, c'est un pyromane. Lui, il fait exploser les prix ou il les réduit en cendres. Et son objectif avec l'or, c'est faire en sorte que toi tu penses qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, comme ça lui il s'en fait beaucoup aussi. Alors comment est-ce qu'il fait ça Larry Fink? En fait, il a une armada de conseillers qui pousse ses produits. Et ses produits, c'est ce qu'il va considérer comme des nouveaux produits. Parfois, les commissions pour ces produits-là, elles sont super avantageuses. Alors forcément, bah, tes conseillers, que ce soit caisse d'épargne ou je sais pas quoi, il va te proposer ce truc-là parce que lui, il a une grosse commission derrière. Alors tes grands-parents, ils ont grandi en pensant que l'or, il y avait beaucoup de valeur, qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire parce que tous les conseillers, toutes les pubs, etc., leur ont dit une bonne diversification, c'est sur l'or. Voilà exactement ce que ça a donné pour le prix de l'or pendant cette période. Et maintenant, Larry Fink, le nouveau pyromane des prix, il a un nouveau produit à proposer. Et ce nouveau produit-là, il s'appelle Bitcoin, l'or digital. Alors maintenant, dans moins de 6 mois, ce nouveau produit-là, tu vas voir partout dans les médias, ce sera plus Bitcoin, crypto, danger, blanchiment d'argent, ce sera plutôt Bitcoin, diversification, or digital. Parce que son nouveau produit, il a envie de faire en sorte que tout le monde l'ait. Parce que lui aussi, il veut se faire de la thune dessus. Dans moins de 6 mois.